quand même. C'est comment ça veut dire? Voilà, c'est le Warman. Bref, les Africains sont fâchés. La communauté africaine de France et de par le monde est choquée. Les blogueurs africains, les blogueurs, tout le monde s'énerve. Le footballeur Idrissa Ngueye de Paris Saint-Germain est sanctionné par la terreur. Tout le monde est surpris. C'est étonnant pour le peuple africain. Je vais parler de ma communauté africaine, au-delà du Cameroun africain. Je suis étonné qu'aujourd'hui les Africains sont choqués. C'est quand même grave, nous les Africains. Quand est-ce que nous allons pratiquer la prévention, la réflexion avant? Il y a quelques années de cela, moi, Warma, de mon niveau, je disais toujours que quand on comprend le concept occidental où nous vivons présent, là, où nous sommes ici chez eux, on comprend tous les mécanismes de la propagande. Cette histoire d'église, le footballeur, là, c'était programmé depuis. On a commencé depuis à programmer cela. Quand je venais parler, les femmes, surtout, mais elles m'accusaient, oh, tu es misogyne, oh, tu es contre les femmes. Le féminisme est un programme programmé par ces gens depuis des années. Ils ont commencé par détruire le socle familial, qui est l'homme et la femme. C'est la nature de la chose. Ça énerve, mais c'est la vérité. Ils ont commencé à dire, parce que nos femmes sont arrivées ici, elles ont pris le concept de, sous le couvert de l'égalité des droits, sous le couvert de la femme indépendante, ils ont commencé à détruire le socle familial de tous les peuples, surtout nous, Africains, qui sommes ici. Des divorces, des séparations. Les femmes crient, les femmes combattent les hommes, elles combattent les Africains comme moi, en nous traitant de machos, de misogynes. Résultat aujourd'hui, tout le socle est détruit. Et ce qui arrive aux footballeurs sénégalais de Paris Saint-Germain, c'est la fin. On est passé à la phase prison-terreur. Pourquoi vous êtes étonné? C'est un programme. Ces lobbies ne tolèrent rien. Ils ont le pouvoir. J'ai toujours dit aux femmes, mais c'est africaine. Les filles africaines de Paris, de France, États-Unis, partout. Écoutez, je vous ai dit, vous n'avez aucun pouvoir. Je vous ai toujours dit, votre pouvoir, c'est uniquement quand l'Africain vous épouse. Donc, quand l'Africain vous épouse, c'est là que vous avez un pouvoir pour appeler la police à acheter la maison. Mais dans la réalité, les frappeurs de l'arrière ont le pouvoir. Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Ils menacent tout le monde. Même moi-même, je sais qu'en ton programme comme ça, là, à nos sédans, à vos guerres, pas ouah, n'aimons choumi, à nos, mais à gutok. Je sais. Aujourd'hui, les Africains, vous voyez pourquoi. On a dit de plus de rentrer dans notre culture, de réfléchir, de penser la culture entre l'homme et la femme. Vous avez dit, ah, dis donc, c'est la liberté. Chacun a des droits. Il ne faut pas juger. L'Africain est le seul en Occident qui parlait de il ne faut pas juger. Les Chinois, vous avez vu, ils ont manifesté. Pourquoi les Chinois, ça ne les choque pas? Ils s'en foutent complètement. Ils sont dans leur communauté, ils pensent à eux-mêmes. Mais nous, les Africains, dès qu'on parle d'un chose un peu, un genre là, c'est toujours nous. Là, tout le monde sort. Oh, c'est papa. Mais les Occidentaux ont leur culture, nous sommes chez eux. Nous savons que c'est comme ça. Nous devons prendre des dispositions à éviter cela. Le footballeur a refusé de jouer avec le maillot. On montait sur lui, on va l'envoyer même en prison. Parce qu'il refuse de porter le maillot, le grappeau. Attendez, franchement, ces gens, je sais que vous avez le pouvoir. C'est le lobby là, on sait. On sait que vous avez le pouvoir, on sait que vous allez nous terroriser, on sait tout ça. On est obligé de partager votre grappeau. On est obligé de partager votre idéologie, votre façon de faire. Pourquoi le racisme des Noirs, tout le monde s'en fout. Le racisme des Noirs ici, tout le monde le voit. Nous le voyons, nous étant nous, on le sait que le racisme est là, on le sait, on le voit. Personne ne réagit, tout le monde s'en fout. Mais pour vous, vous obligez les gens. C'est-à-dire que si je ne suis pas d'accord à manifester, je suis contre. On est passé à la phase, ignorez-les. C'est la loi pour tout le monde. À la phase maintenant, tu n'es pas d'accord pour ton maillot, tu es contre. Tu es homonyme. Vous voyez, même le mot, je ne peux pas jouer parce que la sentence est terrible. Personnellement, je vous dis aux mes frères camerounais, la famille est le socle de tout peuple. Pour nous, Africains, la femme et l'homme, chacun a des droits et des lois, des règles entre nous. Nous devons pratiquer la culture de chez nous, chez les Occidentaux. Vous avez dit non, c'est la liberté. Sous le couvert de l'homme camerounais mauvais, l'homme camerounais macho, la femme a tous les voilà aujourd'hui. Elles sont perdues. Même les femmes sont choquées. J'avais dit à mes soeurs camerounais, vous allez chercher les hommes dans cet Occident, un moment pleurer. Il y a de plus en plus d'hommes. Déjà, les hommes bizarres, mous, travailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez un moment pleurer des vrais mâles dominants. Vous allez un moment chercher des hommes comme les Warman, qui sont des hommes battants, qui sont des hommes qui ont la valeur de la famille, les hommes qui savent chercher les dos. Vous n'allez pas trouver. Vous aurez que des frappés derrière. Et c'est partout, même en Afrique. Beaucoup d'entreprises occidentales en Afrique font les promotions de certains humoristes, comédiens en cabas, en screen, sous le couvert de l'humour. Quand on parle, mes soeurs africaines tombent sur moi. Il ne faut pas juger. Amako, ils disent à un homme, tu es beau, ta coiffure est belle, oh, tu portes les belles jupes. Oh, ma, et ils ont chakala tout le monde. Je sais qu'ils ont le pouvoir, même en Afrique, partout. Je le sais. Mais ils doivent savoir une chose. Malgré les lois, malgré la terreur, vous n'allez pas obliger les gens d'accepter votre façon de faire. Vous n'allez pas obliger les gens avec la force, malgré toute la police, d'accepter votre façon d'être. Si ce que vous faites est bien, laissez-nous tranquilles. Pourquoi vous nous obligez à participer à votre... Est-ce que moi, en tant que Noir, j'oblige les Occidentaux à partager la culture des Noirs?
Et si j'oblige les Occidentaux à mettre le capot de haut, le capot de non ou quoi? Non, je respecte la culture des Européens, je travaille, je paie les impôts, mais qui nous laisse tranquille? Nous n'avons rien à voir avec ces drapeaux, on n'a rien à voir, ça ne nous concerne pas. On évite, moi j'évite de parler, c'est parce que ça ne me concerne pas. Donc mes frères africains, ne pleurez pas, ne chialez pas. On est passé à la phase d'abord, c'était la victimisation. Après, c'était les médias. Vous avez vu, ils ont commencé dans les médias, les enfants, à faire tout ça. On voyait. Maintenant, ils sont passés maintenant à la prison. Même moi qui vous parle, annoncez dans ma page Gogo, annoncez Nemge Power. Je connais. Ils vont maintenant mettre chacun. Bientôt, ça va être. Tu ne prends pas le capot, tu pars en prison. Mais comment peut-on dire qu'on pratique une pratique qui les concerne et ça devient une obligation? Mais écoutez, les gars, restez dans votre coin. Faites ça chez vous. Pourquoi vous n'allez pas en Chine, en Russie, faire cela? Et je vais aussi poser une question aux Africains, aux étrangers, aux Européens. Vous allez aller au Qatar. Le Qatar interdit la manifestation chez eux. Vous allez boycotter le Qatar? Est-ce que vous allez boycotter le Qatar ou bien vous allez aller au Qatar demander au Qatar de mettre les drapeaux? Vous n'irez pas là-bas parce qu'ils ont la moyenne de répression. Vous allez tomber sur les gens comme nous qui n'avons rien, qui sont les petits blogueurs sur l'Internet. Vous allez nous terroriser. Les vrais pays qui s'en foutent de vous, vous n'irez pas là-bas. Si c'est normal, allez au Qatar, imposez au Qatar, on voit. Pourquoi tomber sur les Africains? Donc moi, je dis à ce footballeur, il glisse ça, c'est bien. Mais je vais aussi dire aux Africains, moi, je ne défends pas cette cause sur le plan de la religion. La religion ne me concerne pas. Chacun sa religion, je défends sur le plan de ma famille culturelle. Donc, si quelqu'un défend cela sur le plan de la religion, ça le regarde. Parce que moi, j'ai ma vision culturelle africaine. La vision de mon peuple, de mes origines, c'est de ça que je défends. Ce n'est pas sur la vision de telle et de telle religion. Ça, c'est votre problème. Je ne peux pas quitter dans notre Kora pour aller dans un autre Kora. Chacun son Kora. Mais on se rejoint sur la famille. Maintenant, les gens qui sont différents, c'est votre problème. Mais tu vas quand même brûler. Moi, tu me disais un gros temps. J'ai dit aux Camerounais, ce qui se passe au-delà du féminisme, au-delà de la manipulation, nous allons payer. Chaque Africain va lire. Comment on dit en Camerounais? Nous allons lire. Je vais lire, vous allez lire. Tout le monde va lire. Nous sommes passés à la phase terreur, menace. Ils vont bloquer tout le monde. Vous allez voir. Les gars ont le pouvoir. Ils ne tolèrent aucune critique. Mais si c'est les Noirs qui se plaignent, ils s'en foutent. Ils vont vous parler de droits de l'homme. Oh, liberté, égalité, on voit bien. Mais quand il s'agit de gens là, ils mélangent tout. Je vois, ils mélangent, ils disent, c'est pour lutter contre l'homonyme. C'est pour lutter contre le racisme. Ils mélangent le racisme. Donc ça veut dire que moi, la race noire est la même chose avec les gens qui pratiquent autre chose. Donc mélanger les deux, ce n'est pas normal. Non, je suis moi noir, il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des chinois, il y a des indiens, etc. Ça n'a rien à voir avec une pratique. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas nous manipuler 1000 ans. Nous avons notre conception et nous vous respectons si vous nous foutez la paix. Vive le Cameroun, vive l'Afrique, vive le 100% Camerounais. J'ai dit ça.